Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc 21, 29-33. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples cette parabole. Voyez le figuier et tous les autres arbres. Regardez-les. Dès qu'ils bourgeonnent, vous savez que l'été est tout proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le royaume de Dieu est proche. Amen. Je vous le dis. Cette génération ne passera pas sans que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Acclamons la parole de Dieu. S'il y a une parole sur laquelle on peut toujours s'appuyer, c'est bien celle du Christ Jésus. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Sa parole annonce une victoire. Pour en parler, Jésus prend l'image d'un figuier et d'arbres qui bourgeonnent. Il annonce ainsi la victoire du printemps sur l'hiver. Il nous offre une parabole pour annoncer qu'au cœur de cette vie, marquée de nombreuses catastrophes et tribulations, une vie nouvelle en train de naître. Elle est déjà là, en la personne de Jésus-Christ, comme un bourgeon de figuier prêt à faire éclater sa puissance de vie. Ce sera Pâques, le passage du vieux monde à celui auquel Jésus donne naissance. Le figuier peut pousser dans des terres arides et hostiles. Dans la Bible, il représente la parole. C'est souvent à l'ombre du figuier que l'on enseigne, qu'on commente la parole. Et pour rester dans la comparaison, ne pourrait-on pas dire que la parole de Jésus fait son travail même dans les terres les plus arides de nos cœurs? C'est là, et pas ailleurs que dans nos vies, qu'elle portera du fruit. C'est elle, cette parole sûre, qui ouvrira à l'espérance celui ou celle qui saura l'accueillir comme on cueille un fruit mûr. C'est elle qui ouvre à l'espérance et qui nous donne de participer déjà au royaume fleuri du Christ ressuscité. Oui, croyons-le, le ciel et la terre passeront, mais paroles, dit Jésus, ne passeront pas.